Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc dans un format vlog. Ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas fait, mais aujourd'hui, je trouvais ça plutôt intéressant puisqu'en fait, on va amener les garçons à une exposition de Playmobil. Donc voilà, les Playmobil, c'est un petit peu le jouet indémodable depuis des générations. Moi, j'ai beaucoup joué étant petite et Maël en a pas mal dans ses jouets, mais il est encore un petit peu petit puisque dans les Playmobil, il y a souvent des pièces assez petites. Donc là, on trouvait intéressant de l'amener dans une exposition puisqu'en fait voilà c'est des passionnés qui vont exposer leur collection et les mettre en scène, donc je pense que ça va être super joli et que du coup ça va faire rêver autant les adultes que les enfants. Thank you.
bien Lex au Playmobil alors? Oui. T'as plu? Oui. Et voilà, donc on vient de rentrer de l'exposition des Playmobil, on vient de mettre les enfants à la sieste. C'était une exposition très sympa, il y avait beaucoup de Playmobil exposés avec différents univers, ça a beaucoup plu aux enfants. Owen aurait voulu aller jouer avec tous les Playmobil sur les tables, mais voilà, il a bien aimé observer tout ce qui se passait autour de lui. Maëlle a également pu participer à un atelier de customisation de Playmobil, donc je trouve l'idée très très sympa de faire à l'enfant finalement un Playmobil qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. Et pour le coup, Maëlle a fait un Playmobil très original, donc il a choisi même un buste de femme avec des jambes d'homme, donc je trouve ça assez rigolo. Et il a vraiment tout pu customiser, donc il a choisi le visage du Playmobil, il a choisi ses cheveux, il a rajouté des accessoires comme la casquette et la cape ici. Et donc Maëlle, sur son Playmobil, il a choisi des bras pirates avec des jambes de pirate et un buste, donc c'est une femme dentiste. Voilà, donc je le trouve très sympa et puis du coup ça va lui faire un bon souvenir de l'exposition. Je voulais profiter aussi de ce vlog pour vous montrer les derniers achats que j'ai fait chez Tape à l'œil, donc c'est la nouvelle collection. Et ce que je savais pas non plus, c'est qu'en fait quand vous avez la carte de fidélité chez Tape à l'œil, vous pouvez changer les articles assez longtemps après, c'est-à-dire que les articles pour Owen que j'ai choisi, je lui ai pris dans une taille, mais elle m'a dit ne coupez surtout pas les étiquettes, puisque en arrivant vers l'été, si vous voyez qu'il a grandi d'un coup et que la taille ne correspond plus, je peux les changer jusqu'au mois de juillet, donc je trouve ça assez cool. Donc pour Owen, je lui ai pris un petit polo coloré tout simple vraiment, avec un petit palmier ici. Donc ça fait partie des basiques chez Tape à l'œil, vous les payez vraiment pas grand chose. Voilà, et je trouve qu'il est vraiment super mignon. Donc moi je compte l'associer avec un petit short en jean, donc alors attendez, qui se trouve ici. Donc voilà, c'est un petit short tout mignon avec des petites griffes à ce niveau là. Je trouve que ça donne vraiment son style au short. Et voilà, après c'est un short vraiment basique en jean et je trouve que ça va avec tout pour l'été. Donc moi je lui ai pris pour l'instant en taille 18 mois, le haut en 18 mois et le short en 12 mois puisqu'il est assez menu du bas. Donc voilà, mais je vais pas du coup couper les étiquettes parce que si ça lui va pas, au moins je pourrais aller le changer. Ensuite je lui ai pris son maillot de bain pour cet été, donc je lui ai pris le haut et le bas assorti puisqu'en fait le haut ça servira pour le protéger du soleil. Donc c'est un haut comme ceci avec les manches qui sont longues et avec des petits crabes dessus dessinés. Et le bas, c'est le boxer du coup qui est assorti, donc c'est le même motif que sur le haut, donc avec des petits crabes comme ceci. Alors on s'est retrouvé dans la problématique où Maëlle voulait exactement le même maillot que son frère, sauf que du coup cette collection là en vraiment en short de bain moulant, il le faisait que jusqu'aux 36 mois et Maëlle je lui prends actuellement du 4 ans. Et en fait en 4 ans il existait mais en short de bain, et les shorts qui sont interdits quand on va dans des piscines publiques ou autres. Donc du coup je voulais pas lui prendre un short comme ça puisque du coup il pourra s'en servir qu'à la mer et je voulais vraiment quelque chose qui fasse les deux. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir au rayon donc des bébés pour trouver le même short que son frère. Et en fait j'ai pris le short en 36 mois et j'ai comparé avec le short de bain en 4 ans, donc les shorts moulants comme ça en 4 ans avec les modèles qui existaient chez Tape à l'œil. Et en fait je me suis rendu compte que le short en 4 ans était plus petit que le short en 36 mois, puisqu'en fait dans les petits maillots de bain comme ça en 36, enfin de bébé, ils font le calcul de la taille en fonction de la, ils prennent en compte en fait la couche qui va être mise dessous. Et du coup j'ai pu lui prendre en fait le même short que son frère, donc je lui ai pris en 36 mois, mais le 36 mois est plus grand que le 4 ans donc de chez les grands, de chez Tape à l'œil. Donc du coup pour le coup ça m'a arrangé d'avoir des enfants qui sont d'âge assez rapproché puisque j'ai pu lui faire plaisir et lui prendre le même short que son frère.
J'ai également pris à Maël quelques boxers parce qu'il en avait plus. Donc voilà, c'est des boxers d'été, quoi, on va dire. Enfin, avec des motifs qui rappellent l'été. Donc celui-là, il a des palmiers, des bateaux et des requins dessus. Dans le lot de 3, il y avait également celui-là avec juste des petits bateaux dessus. Et puis après, il y en avait un qui était vraiment classique, donc tout bleu, bleu et blanc. Donc voilà, les boxers de chez Tapala, ils font très bien l'affaire, ils sont vraiment bien. Et puis après, je lui ai pris un petit haut comme ceci. Donc avec un casque audio et où il y a les paillettes qui changent le motif du casque là. Voilà, Maël aime bien, il en a déjà un avec des paillettes qui est réversible et du coup il en voulait un deuxième modèle, donc je lui ai pris celui-là. C'est un petit sweatshirt vraiment léger, donc il fera très bien l'affaire pour la demi-saison. Je leur ai également pris leur casquette, donc Maël a choisi celle-ci qui est un motif un petit peu jean, bah, avec une planche de surf et des palmiers et un coucher de soleil en fond. Et pour Owen, je lui ai pris celle-ci, donc dans les bleus aussi, avec un arc-en-ciel et avec écrit Big Wave. Voilà, donc je trouve que c'est des casquettes qui sont très mignonnes et qui vont pouvoir aller avec tous les looks que je vais pouvoir leur faire. Et voilà, du coup, je vais conclure le vlog de cette journée là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager dans votre enfance au travers des Playmobil. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est quelque chose de totalement gratuit et du coup qui permet d'agrandir la communauté. Je vous invite également à rejoindre mes pages Facebook et Instagram, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !